Marvin, salut. Tu viens en reconnaissance pour l'année prochaine? Oui et non, parce qu'a priori le parcours va pas être du tout pareil. Ils parlent de reprendre des spéciales qu'ils ont fait il y a plus de 20 ans et comme tu le sais, on peut pas faire le même parcours 2 ans auparavant d'une finale. Donc on vient reconnaître le coin, oui, et puis se faire plaisir sur une très belle épreuve avec un plateau hors norme, quoi. Bah d'accord, bah merci, et puis bah bonne chance. Pas de problème. Bonjour Yohan. Ça va et toi? Alors sur la Rochelle? Non, il a porté avec une nouvelle auto. On a fait une tournée avec déjà la semaine dernière. On est là pour découvrir encore l'auto. On va certainement avoir des spéciales très grasses comme l'année dernière. Alors l'objectif va être de rentrer entier. Et puis voilà, après on verra. Associé à Benjamin Bijard sur cette Mitsu Lancer. Juste un petit mot là, Michel.
Ah, Michel, il était complètement déprimé. À la deuxième boucle, il a dit c'est pas possible, ça peut pas durer un temps pareil. Et puis en fait, le bel moral est revenu, puis le sourire aussi. Oui, c'est vrai que la deuxième boucle était vraiment de Charmeville, et puis on s'est dû faire une sorte de petit assaut à La Rochelle, parce que de la boue, du vent, de l'eau, il s'est perdu quelques kilos, donc c'est pas mal. Bravo Michel. Tu connais sur le Brouillé Noir, et là, avec une nouvelle voiture, avec une météo exceptionnelle, on va dire, au niveau humidité, eh bien, encore un podium, encore une victoire de groupe. Oui, c'est sûr. On peut dire que la VM aime le temps sec et le temps mouillé, en fait. Donc, non, c'est la compacte, c'est vrai que dans l'avenir, ça va promettre, je pense. Ça va promettre, donc on va l'avoir beaucoup au cours de la saison 2014, cette voiture. Théoriquement, oui. Allez, dévoile-nous un petit peu combien d'épreuves tu vas faire. Des épreuves, je ne sais pas. Beaucoup de points, on va essayer. Non, l'objectif, c'est la finale 2014, c'est sûr. Mais bon, là, c'est bien parti. Maintenant, il faut continuer. Encore une victoire, 4 victoires de classe cette saison, deuxième au scratch au Coteau du Noyon, deuxième au scratch du Coteau du Lumière, sauf que là, depuis l'année dernière, vous avez changé de voiture, vous êtes avec une C2. On a changé parce qu'on a un peu abîmé l'autre, on l'a refait et vendu, et puis on a eu l'opportunité d'acheter la C2, qui est une voiture vraiment compliquée à faire rouler, et surtout à faire rouler vite. Donc on essaye de faire notre mieux pour qu'elle roule le plus vite possible. Mais bon, c'est difficile et c'est un bon terrain d'apprentissage ici, et je pense que ça ira bien l'année prochaine. Ça veut tout dire. Merci d'avoir participé.
Le reste, on a joué le rendez-vous en 2015. Mais avant, il y aura donc la finale et rendez-vous en 2014 pour cette finale.